Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans PC hardware. Et comme d'habitude, hein, tous les liens que je vous présente dans cette vidéo, vous les retrouverez dans la description. Je ferai sûrement une deuxième vidéo un petit peu plus tard dans la journée pour présenter des offres qui sont vraiment canons chez Amazon, notamment sur de l'occasion avec moins 20%. Donc on va y revenir plus tard dans une deuxième vidéo. Mais là, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres, il y a vraiment beaucoup d'offres. Donc on commence par les 24 ans de LDLC. Donc il y a des offres qui tombent toutes les heures, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, de très bonnes offres. Donc n'hésitez pas à checker cette page, c'est vraiment très bien, notamment Water Cooling ici Thermaltech, notamment RTX 2080 à moins de 600€, une petite alimentation de 500 watts de chez LDLC, qui est vraiment très bien, c'est une base Seasonic, pour moins de 40€, la G502, 29,95€, donc toutes les heures ça tombe, donc n'hésitez pas à checker, même ici, regardez Ryzen 5 2600, 109€, donc la page en description. On continue avec mon premier coup de cœur de la semaine, avec un écran 27 pouces de chez HP, donc 27 pouces 1440p, 144Hz, d'ALTN très réactif, pour moins de 200€, franchement c'est un prix canon ici à la Fnac. Deuxième bon plan pour cette semaine, donc une baisse de prix sur un PC portable gamer, donc il était à 1500-1550, là 1299 chez Cdiscount. Donc j'ai déjà présenté ce PC, là c'est une offre canon avec une RTX 2070, ce Dell est vraiment très bien, écran 15 pouces, Full HD, Dell IPS est vraiment très bien, 144Hz, compatible G-Sync, le Core i7 qui est vraiment très performant, 8750H, 16Go de RAM, SSD de 512, donc franchement une offre canon, il y aura d'autres PC portables plus en fin de vidéo. Également chez Rue du Commerce, il y a des offres sympathiques, notamment sur des kits Evolution, donc Ryzen 7 2700X, avec la très bonne carte mère Aorus Elite en B450, donc il coûte environ 100€ la carte mère, donc ça fait comme si le processeur coûtait 158€. Donc un pack sympathique, un pack Evolution, il y a le Ventirad avec, c'est vraiment très bien ce processeur, c'est un 8 cœurs 16 threads qui est vraiment très performant. Autre très bon pack sympathique chez Rue du Commerce, donc ici c'est des Ryzen 5 2600 qui sont neufs, avec des cartes mères d'occasion, donc il y a des offres vraiment canon ici. Donc environ 160-170€, vous avez un ensemble qui est vraiment très performant, pour se monter un petit config par exemple dans les 600-700€, c'est vraiment très bien. Petit Ventirad sympathique chez Cdiscount, donc le Color Master Master R Pro 3. Attention, il n'est pas compatible avec les AMD Ryzen, donc tout ce qui est Intel, un i3 ça passe, un i5 ça passe. Pour moins de 10€, c'est vraiment pas mal du tout, donc c'est un 92mm, donc c'est assez compact, après ça vous de voir, mais c'est toujours mieux que le Ventirad Intel d'origine. Au niveau de la DDR4, un pack sympathique en DDR4 2666, donc 16Go en CL16 pour 64,95€, donc c'est le look Asus TUF. Donc sympathique, ces petites balistiques noires, j'aime beaucoup le look personnellement, prix vraiment canon. Au niveau carte graphique, il y a une offre toujours qu'on retrouve régulièrement en ce moment, c'est les RX590, notamment ici le modèle Gigabyte, on est chez Cdiscount. Donc également, on peut négocier le prix si vous voulez, ça fait baisser légèrement, donc à 175€, ça reste une très bonne carte graphique, mais il faut une alimentation qui tienne la route, au moins 550 watts. Elle chauffe un petit peu également, elle fait un petit peu plus de bruit. Au niveau de la concurrence, que je préfère maintenant, c'est la GTX 1650 Super, elle est un peu moins performante, surtout pour jouer en ultra, mais elle consomme moins et elle chauffe moins. Autre très bonne carte graphique, toujours à bon prix, la RTX 2070 à moins de 400€, le modèle Gigabyte. Personnellement, j'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup les RTX 2070, mais attention, des fois on retrouve des RTX 2060 Super qui valent vraiment le coup dans les 330-340€. Après, ça vous de voir, c'est un excellent modèle pour jouer ici en 1440p ou en 1080p en très haut taux de FPS par exemple. Au niveau stockage, nous avons un petit SSD crucial, donc le BX500, c'est le modèle entrée de gamme et qui reste quand même très performant, donc 960Go, 92,99€, c'est vraiment pas mal parce que la tendance sera petit à petit à la hausse. Au niveau alimentation, il y en a deux sympathiques cette semaine, donc Thermaltech 700 watts, donc c'est une 80+, hein, pas de certification spécifique. Donc ici, on s'en fout un petit peu, il y a du RGB, c'est un peu un look, souvent l'alimentation prend place en bas, après c'est à vous de voir, mais franchement je trouve que c'est vraiment plus gadget. Autrement 700 watts, 58€, c'est un bon prix. Et pour ceux qui préfèrent, une offre aussi également canon, Gigabyte, 750 watts, 80+ gold, alimentation semi-modulaire en plus de ça, 65€, c'est vraiment très bien. Donc avec le petit frais de port, ça fait quand même moins de 70€, pour du 750 watts gold, c'est vraiment canon. Au niveau boîtier, il y a des offres sympathiques également, donc le Color Master MB520 en RGB, donc 4 ventilateurs dont 3 RGB en façade, il y a des entrées d'air sur les côtés, j'aime bien cette conception de moyenne tour, le prix canon 59,95€ chez Material.net, faudra rajouter des petits frais de port à moins d'aller le chercher directement en magasin. Autre très bon boîtier que j'aime bien le Color Master Silencio S400, d'ailleurs on a testé le NR400 sur la chaîne, j'aime beaucoup ce petit boîtier, attention c'est du micro ATX,
donc en solde à 66,74€. Donc le 275R Airflow de chez Corsair, alors le look on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse passer un maximum d'air. La conception est bien du boîtier, vous avez vu, même l'intégration au niveau water cooling, c'est vraiment bien pensé. Donc 67,95€, c'est un peu moins cher que la concurrence. Autre excellent boîtier, le prix a baissé, ça fait plaisir. Alors j'aime énormément ce boîtier, l'Ener Max Steriford RGB, donc c'est le SF30. 4 ventilateurs adressables RGB, le petit bandeau ici RGB également. Bonne conception moyenne tour, le prix qui a descendu ici chez Amazon, 71,43€, donc c'est vraiment un excellent boîtier, à ce prix-là il n'a pas de concurrence. Au niveau écran également, donc un 24 pouces exactement, 24 pouces et demi, donc le HP 25X, donc très bel écran ici, donc c'est marqué 60 Hz, mais c'est une erreur, c'est du 144 Hz. Donc un écran ultra réactif en Dalte N ici, compatible AMD FreeSync, compatible également G-Sync, 149,99€, c'est vraiment très bien. Donc regardez bien, franchement, c'est un très bel écran. Au niveau périphérique, maintenant, il y a des offres qui sont vraiment très bien. Donc une souris Asus TUF M3 pour 17,99€, c'est vraiment très bien. Une souris de marque, capteur optique, 7000 dpi pour ce prix-là, c'est vraiment très très bien. Attention, il y a toujours des petits frais de port à ajouter. Également, au niveau souris, nous avons toujours l'excellente Logitech G402 à très bon prix. Donc à moins de 30€, ça vaut vraiment le coup. Autre excellente souris, cette fois-ci sans fil, une petite souris sans fil qui est vraiment très bien. Logitech G305 qui marche à pile, donc une autonomie qui est vraiment très monstrueuse. 32,39€, c'est vraiment très bien pour avoir une souris. Par exemple, ça c'est vraiment top. Pour un petit PC portable gamer, c'est vraiment excellent. Au niveau clavier, nous avons un clavier ici mécanique, donc ce sont des switches bleus avec un petit retour sonore. Donc la marque Ri-i, mais le prix vraiment canon, 23,99€, celui qui veut goûter aux joies du clavier mécanique. En plus de ça, c'est un plein format AZERTY. Il est rétro-éclairé en rouge, donc pourquoi pas pour goûter aux joies du mécanique. Mais attention, il y a un petit retour sonore, hein. Ça peut être dérangeant pour certains. Autre très bon clavier, cette fois-ci Logitech, plein format également, le Logitech G413 pour 55,99€. Plaque en aluminium, également rétro-éclairé en rouge. Pour les allergiques au RGB, c'est vraiment pas mal, donc le prix est vraiment canon ici également chez Amazon. Pack sympathique également sur le Logitech G512 SE. En plus de ça, avec le tapis XXL de chez Logitech, donc 90 cm sur 40. C'est vraiment très bien pour moins de 70€. D'habitude, c'est le prix vraiment du clavier seul. Donc attention également, il y a un petit retour sonore et ce clavier est RGB. Au niveau casque, nous avons toujours le Logitech G332 SE à très bon prix. Donc casque Logitech, personnellement, je ne suis pas fan de ce casque. Mais à moins de 30€ d'avoir un casque de marque, c'est vraiment très bien. Également un casque qu'on a testé sur la chaîne, c'est l'Asus TUF H3 version Silver pour 40,49€. Donc franchement ici c'est un très bon casque, le parti audio est vraiment très bien, donc c'est branchement par jack, 40,49€. Et on a un petit pack également avec la souris qu'on a vu juste avant, donc le même casque, donc le H3, avec la souris M3 pour 59,99€. Au niveau casque également, le très réputé HyperX Cloud Silver à moins de 50€, c'est vraiment un prix canon. Donc très bon son, confortable, qualité de micro on va dire correcte. Attention ici, c'est du branchement par jack, donc c'est pas de l'USB, donc faut vraiment une carte son correcte pour en profiter. Également, autre très bon casque ici pour 49,05€, toujours à la Fnac, le Rocate Kane Pro, donc version blanche. J'aime beaucoup son look, il est vraiment très léger. Et justement, en solde en ce moment, faut en profiter pour moins de 50€. Autre pack sympathique ici, un pack Corsair à moins de 100€. Donc ici, nous avons le clavier Corsair K55 RGB, la souris Harpoon RGB Pro, le tapis de souris MM100, donc un tapis relativement compact, et un casque, le H50 Stereo. Donc un pack à moins de 100€, ça vaut vraiment le coup ici pour débuter. Toujours pareil, un petit frais de livraison à rajouter. Autre méga pack ici chez Rue du Commerce, 599,99€. Décidément, Rue du Commerce fait pas mal de packs. Alors c'est un pack qui coûte vraiment très cher, mais nous avons deux écrans 24 pouces de chez Samsung. Donc c'est deux écrans qui sont 60 Hz en IPS, compatible FreeSync. Nous avons le casque Corsair HS70. Nous avons le très bon fauteuil gamer, le T1 Race V2 en version grise. Et nous avons l'excellent clavier, le K70 MK2 en low profile, rapid fire. Donc franchement, un pack vraiment génial. Dommage que ce ne soit pas des écrans 144 Hz. Celui qui cherche un très bon micro, le Blue Yeti, c'est une des références, donc un microphone en USB. Donc c'est un modèle qui est en retour d'usine recertifié, 79,99€, ça fait quand même 20€ moins cher que d'habitude. Au niveau PC portable, comme je vous ai dit, il y a des offres encore pas mal. Donc un PC HP ici avec une sacoche, une souris, donc le Core i5-9300H qui est vraiment très bien en jeu, la GTX 1050, ça peut se débrouiller à faire quelques jeux sympathiques, hein. C'est pas vraiment une bête de course, mais il y a quand même 8Go de RAM, un petit SSD, 1 Tera de stockage. Et je regarde s'il y a le Windows, bien sûr. Et oui, bien sûr, il y a le Windows 10 édition familiale. Moins de 600€, c'est très bien.
Autre très bon PC portable avec une nouveauté, un GTX 1650. Alors c'est pas une foudre de guerre, mais ça reste quand même relativement performant pour jouer en qualité faible ou moyen. Ryzen 5 SSD de 512, 16Go de RAM à ce prix-là, c'est vraiment très bien. Windows 10, écran 144Hz, donc très peu de jeux pourront en profiter malheureusement. 199,99€, donc c'est vraiment très très bien également. Autre excellent PC portable que j'aime bien, c'est les Dell. Les Dell sont vraiment super classe. Donc ici un Dell G3 en 15 pouces, Full HD, avec un Core i7, une GTX 1660 Ti, Windows 10, 8Go de RAM, donc franchement pas mal pour 949€, un PC complet, pas besoin d'installer Windows, et en plus de ça, super sobre. Et pour finir, ceux qui veulent jouer à Rainbow Six Siege, qui n'ont jamais acheté ce jeu, 7,99€ en ce moment sur Steam. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous rappelle que je ferai une deuxième vidéo plus tard dans la journée. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.